Hello, bonjour, je vais parler du prince Charles de Meghan Markle, le prince Harry. On va parler d'un aide du prince William. Alors, en fait, c'est un article qui vient de sortir dans le magazine Byline Investigates. Je vous ai déjà parlé de ce magazine il y a quelques mois de cela, lorsqu'il s'agissait de parler de Dan Wotton et des révélations qui avaient été faites lors d'une enquête hein, de ce magazine-là. C'est un magazine indépendant qui enquête sur toutes les institutions et s'est intéressé à la famille royale. Il avait déjà enquêté sur Dan Wotton parce que apparemment le papy avait reçu un tuyau d'une personne qui était contre Dan Wotton et qui pouvait prouver qu'il avait commis des choses illégales. Donc aujourd'hui, c'est dans ce même cadre-là qu'ils font cette série d'articles, articles qui lient Dan Wotton à la famille royale et qui montrent à quel point il a impacté la décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter l'Angleterre. Donc il y a un premier article qui est sorti hier, n'est-ce pas, que j'ai lu. Et en fait, dans ce premier article, c'est un condensé de ce qui va suivre. Ça parle de l'action de Dan Wotton sur la famille royale, sur Harry et Meghan en faisant des révélations sur leur départ, révélations sur Archie. Il avait aussi fait des révélations sur le départ du prince Harry et Meghan Markle pour le Canada. Donc il avait fait un article qui a été publié dans le Daily Mail, et ce avant que les autres journaux ne savent que Harry et Meghan étaient sur le point d'aller au Canada. C'était un article qui était basé sur des fuites qui venaient directement du palais. Et la question qui se posait alors, c'était qui avait fuité ces informations à Dan Wotton. Or, il se trouve que à l'époque, une enquête avait été ouverte, elle avait été faite, et il avait été révélé que c'était un aide royal qui n'avait pas révélé directement, mais c'était son compagnon qui avait révélé ça, moyennant finance, c'est-à-dire qu'on a payé 4 000 dollars à ce monsieur qui a révélé l'information que son soi-disant compagnon qui travaillait comme aide auprès du prince William, mais je vous assure, c'est William qui est toujours derrière ça, du prince William a fait. Vous voyez? Donc, pourquoi ça impactait le prince Harry? Ça impactait le prince Harry parce que le prince Harry était furieux et indigné qu'une telle information puisse être révélée. Comment il a su? Il a su en fait parce que quelqu'un du Sun, c'est-à-dire le magazine pour lequel travaillait Dan Wotton, l'a contacté pour lui dire qu'il y avait une taupe dans la famille royale et que cette taupe n'était autre que le partenaire, le compagnon d'un des aides du prince William. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de saisir la justice, n'est-ce pas? Et dans sa lettre légale hein, qu'il avait envoyée, non seulement au journal Le Sun, mais auprès de la justice, il avait marqué le nom de l'aide du prince William, ainsi que le nom de son compagnon, n'est-ce pas? Lettre légale pour une action qu'il devait intenter contre le tabloïd, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi impliquer le prince Charles? Comme dans cette lettre, il donnait le nom de la personne, de l'aide directement liée au prince William, qui était à l'origine de cette fuite, enfin, même si pas directement, mais par l'entremise de son compagnon, qui avait été payé 4 000 euros, vous vous souvenez, oui, 4 000 euros pour cette information. Il avait révélé son nom, et le prince Charles, qui est au courant de l'action qu'il allait intenter, lui avait demandé de ne pas révéler le nom de cette aide royale liée au prince William. N'est-ce pas? Ce à quoi le prince Harry a refusé. Donc, il faut expliquer dans quel contexte ça se trouvait. Ça se trouvait dans le contexte du sommet de Sandringham, sommet censé avoir eu lieu entre le prince Harry et la famille royale, sachant que Meghan Markle avait été écartée. Et c'était durant ce sommet-là qu'ils avaient été d'accord sur certains points. La reine avait accepté qu'on donne au prince Harry 700 000 d'années pour son nouveau départ au Canada, pour le soutenir afin qu'il puisse enfin se débrouiller tout seul après cette année-là, ou aussi lui donner la protection policière. Or, ce deal avait été négocié bien avant que le prince Harry donne cette lettre-là, n'est-ce pas? Donc il était entendu que le prince Harry et Meghan Markle recevraient la protection de la famille royale, protection sécuritaire, hein, et que c'était elle, c'est-à-dire le prince Charles, qui paierait, et il recevrait aussi une pension de 700 000 euros. Alors, le prince Charles a demandé au prince Harry de retirer le nom de cette aide royale. Le prince Harry a dit non, il a envoyé la lettre aux autorités, n'est-ce pas? Le prince Charles s'est fâché et, pour se venger de ce qu'a fait, il est revenu sur les termes du contrat qui avait été négocié lors de l'accord de Sandringham, c'est-à-dire qu'il lui a retiré la sécurité royale et en plus de ça, les 700 000 qu'il était censé payer le prince Harry pour cette année-là.
Donc c'est pour ça que dans l'interview de Oprah Winfrey, le prince Harry a dit que mon père m'a coupé les vivres. Donc il parlait explicitement de ce moment-là et de cet argent-là qui avait été négocié auparavant. Je ne sais pas si vous suivez. Donc pour se venger du fait que le prince Harry n'ait pas enlevé le nom de l'aide royale, c'est-à-dire la personne qui travaillait pour le prince William de la lettre légale qu'il avait envoyée aux autorités, le prince Charles lui a enlevé la sécurité, mais en plus de ça, ne lui a pas payé les 700 000 euros qu'il était censé lui payer lors de la première année au Canada. Donc ça, c'est une partie des révélations qui ont été faites hein, dans l'article par Byline Investigate. Et dans cet article-là, il y a deux noms qui reviennent, toujours. Il y a Christian Jones, qui travaillait au départ pour les Cambridge et qui avait été mis au service de Meghan et Harry. Il était censé être le chargé de communication. Il y a aussi Simon Case, qui travaillait pour le prince William en tant que premier secrétaire et qui était censé aussi aider le prince Harry. Donc ces deux noms-là ont été mis sur le tapis. Donc on ne sait pas si c'est Simon Case ou c'est Christian Jones dont le compagnon avait vendu les informations. Mais il me semble qu'à l'époque, j'en avais parlé et la rumeur disait que c'était Christian Jones dont le compagnon avait vendu les informations. En parlant de Simon Case, il a depuis quitté la famille Cambridge pour travailler pour le gouvernement, mais vient de donner sa démission après avoir trempé dans une histoire de fête durant le Covid sous le gouvernement de Boris Johnson. Donc oui, c'est ce qui a été dit. J'espère vraiment que je vous ai expliqué clairement les choses. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le prince avait promis lors du sommet de Sandringham d'apporter une aide financière au prince Harry et une aide financière pour sa sécurité. Donc c'est deux choses complètement différentes. Donc il devait payer pour assurer la sécurité de son fils et de sa petite famille. Il devait leur donner 700 000 euros comme frais de départ pour une nouvelle vie au Canada. Or, il se trouve qu'il n'a pas donné ces 700 000 euros, mais en plus de ça, il ne leur a pas fourni de sécurité comme il avait été promis et négocié lors du sommet de Sandringham. Et tout ça parce que le prince Harry a refusé de retirer le nom, d'effacer le nom d'une personne qui travaillait pour le prince William, dont le compagnon avait vendu des informations au Sun, le plus grand tabloïd de anglais, des informations sur le prince Harry et Meghan Markle, leur départ de la famille royale, et aussi sur le petit Archie. Voilà, donc je vous ai donné un petit résumé de ça. Je vous retiens au courant quand j'ai plus d'informations et qu'il y aura un autre article. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.